Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode. On n'a pas énormément bougé de la zone où on était sur le précédent épisode. Alors je me retrouve ici, j'ai fait quelques modifications pour automatiser un tout petit peu. Alors je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Alors là, ici, il fallait ramasser le automatiquement et puis vider le liquide pour faire les glass panels là. Les clear glass. Et du coup là en fait c'est à peu près automatisé, enfin carrément automatisé. Alors ici on trouve un redstone comparator du mode Vanilla. Alors évidemment enfin en dessous le hopper. Et du coup quand le liquide enfin quand le casting bassin est rempli, le hopper va réceptionner l'objet qu'il y a au-dessus et le foutre dans le coffre. En le réceptionnant, il va envoyer un signal redstone. Ce signal redstone qui va éteindre, on va regarder ça, qui va éteindre cette torche. Le fait de l'éteindre va couper le signal de redstone en haut là. On va voir comme ça. Et le fait de l'éteindre, bah en fait ça va se rallumer aussitôt, parce que vu que ça va pas rester à l'intérieur du hopper, ça va aller dans le coffre directement. Le signal va se couper, du coup ça va rallumer la torche qui va rallumer le signal de redstone. Et en se rallumant, bah ça va envoyer un signal pour dire allez hop, c'est go. Mais là je crois qu'il y a plus de. Ouais, il y a plus de glace à l'intérieur. Ouais. Donc nous voilà, j'ai décidé d'aller miner dans la Twilight. Alors je peux me prendre la tête, mais miner avec Ah bah oui, évidemment je retombe. Alors bien. Alors, on se retrouve sous la pluie. Alors, la tortue a un petit peu avancé, pas énormément. Bon, en tout cas, ça m'a permis de récupérer pas mal de stone, parce que, en plus, ça tombe bien, parce que de la stone, j'en voulais. On va descendre. Je sais pas si. C'est comme ça, je peux descendre. On va remonter un peu l'échelle. Alors j'ai vu qu'il y avait. Attends, c'était par où? C'était par là. Il y a des trucs là-bas, des mobs. Les voilà. Enfin, le voilà. Ah bah non, ils sont pas gentils. Ils envoient des boules de neige, ces enfoirés. Désolé. La vache. Ah, ils m'ont envoyé un effet, moi. Ok. Classe, lui. Oh, c'est quoi qui fait ce bruit, là? Bon, j'ai drop. Ah, si, un truc. Non, ça sert à quoi ça? Ok, ça sert pour thermal expansion.
Non, c'est pas une arme. Bon, je sais pas du tout à quoi ça sert. Peut-être sur les créatures. Ouais, non. Bon, ça doit être un thermomètre. Donc, j'avais vu un petit truc par là-bas, alors je vais aller voir. Ah, tiens, je vais analyser ça. Et bien. Voilà. Puis, je pourrais même me faire un bloc et l'analyser. Ah, c'est ça que j'ai vu. Oh. Ah, un dôme. Ça, c'est bon. Allez, turtle, je vais peut-être la mettre dans le dôme. Alors, ça. Analyser aussi. Ça c'est cool le dôme. Ah, et puis il y a déjà des araignées. Bon. En tout cas, c'est bien, mais je vais pas y aller, je suis pas encore un fou. On a pas besoin de le noter. Alors. Moi, je pense que je vais rentrer. J'ai récupéré pas mal de stone et puis c'est ça que je voulais pour continuer la construction de ma petite maison. Ah, une citrouille, ça bon à prendre. Alors, c'était par où? Par là. C'est vrai que j'ai faim. On va manger, ça va être mieux pour avancer plus vite. J'ai pas pensé à faire ça, non, ça. Bon, ça avait pas l'air de vouloir analyser. De la paille, ça c'est bien aussi, de la paille pour les chevaux. Non, c'est par là. Non, ça n'analyse pas. Bon, tant pis. Ah, elle a l'air d'être arrêtée là. Bon, je voulais la récupérer. Ah, je sais plus c'est quoi le truc pour voir si elle est pleine ou pas. Est-ce que j'ai récupéré tous les trucs là? Parce que j'ai pas l'impression. Ouais, si ça devrait être bon. Allez, on va rentrer. Profiter pour respirer. Non. Petite astuce pour ceux qui connaissent pas, vous mettez une torche et ça vous permet de faire un trou d'air. Bon allez. Le portail. Le portail, il est par là. Évidemment, j'aurais pu remonter.
Quand je récupère toute la stone, c'est ça qui m'intéresse le plus. On reviendra. On va faire une coupure et puis on va se retrouver pour la petite maison. Enfin, pour ça que j'ai fait. Allez. Bon, bah il y a eu quelques changements. Alors, bon, déjà vous voyez, j'ai fait quelques outils. Bon, il y a certains qui me servent à rien. Je vais les ranger d'ailleurs. Celui-là, je vais le garder. Et en l'occurrence, c'est pour Mine Factory. Et vous allez comprendre pourquoi. Moi que vous avez déjà deviné. Alors ici, j'ai rajouté ceci pour pouvoir mettre du sable. Voilà, je crois que le sable, ça fonctionne nickel. Yes. Mais il va pas avoir assez. On verra ça plus tard. À mon avis, il a dû avoir un mob qui a dû tomber dedans parce qu'il y a du sang. Alors normalement, on peut le voir. Blood, ouais. Alors, bah du coup, je passe à la nuit avant parce qu'il va falloir que je sors. Allez. Coucou le petit chat, tu veux rentrer? Non, tu t'enfuis? Faudrait que j'aille pêcher, mais il y a plein de chats. On va monter. Alors là, vous pouvez peut-être pas le voir directement, mais hop, on monte d'un étage et du coup, il y a un petit balcon. Un petit balcon qui nous donne un accès directement ici. Je t'ai vu, toi. Et du coup, on a une belle vue sur tout le côté jardin. Et là, on peut descendre et puis monter. Mais du coup, on va monter. Là, vous voyez, j'ai fait un harvester. Alors, j'ai. Allez, là, il est pas branché, il est à côté. Je vais vous expliquer pourquoi après. Alors, j'ai dû aplanir un peu le terrain. Alors, il y a un petit passage qui se fait par ici. On descend par là. Vous voyez tout le système. Alors ici, bah du coup c'est aplati. J'essaie de faire un truc assez vite fait, proprement. Puis bon, ça va. C'est pas trop le drame. On peut descendre par là. Il y a un mouton, ok. Hop, et là on arrive dans le système. Alors j'ai mis un slab. Je vais pas trop traîner autour parce que s'il y a des trucs. Va être empoisonné. Alors ici, on arrive directement dans la salle à Bubix. Alors, mais je pense que ça va changer. On va pas rester comme ça. Alors, il faut que je passe par là. Et il en fait du boucan, lui. Bon, j'ai enlevé le charbon qu'il y avait parce que j'avais fait du charcoal. Pour le consommer, je l'ai séparé. Alors là, c'est un système bah, comme on avait fait déjà précédemment. C'est-à-dire que l'énergie est envoyée ici, alors aux planteurs et aux slabs. Après, c'est envoyé dans le coffre, du coffre, c'est récolté, c'est dispersé dans tous les coffres. Je sais pas pourquoi il y a un sable, meurtrier du coup. C'est disposé dans les barils, dans le coffre. Puis en dessous, on monte un système. Il y a un système qui récupère les saplings qui passent par là, par là, par là et qui les envoie dans le planteur. Rien de vraiment exceptionnel, mais je pense que peut-être changer parce que on va voir ça tout de suite. Pourquoi? Alors, vous voyez, il y a des armes. Le problème, c'est que l'harvester, pourtant, il est. Ouais, voilà, il est orienté dans l'autre sens. D'accord, mais pourquoi il y a deux. Je sais pas, c'est chelou. Au final, regardez qu'est-ce qu'il nous a fait. C'est carrément embêtant. Donc, ouais, ça va super loin, comme vous pouvez voir.
Alors j'ai préféré, il coupe même pas les arbres en entier, je sais pas, c'est le gros bordel. Même au milieu là-bas normalement. Oui. Putain, il y a un mouton là-bas, et putain, balèze le truc. C'est voilà quoi. Si je veux pas déforester la petite île, je préfère le débrancher et puis on verra pour mettre du Rycraft. Alors je suis pas un spécialiste de Rycraft, moi. Ce serait plutôt Bubix, alors je vais le laisser faire. D'ailleurs, je vois qu'il y a des World. Ok. Bon, ça c'est pour ça, un autre sujet, je verrai. Cette machine-là, une turbine, non? Ouais, je sais même pas c'est laquelle la machine. Crois que c'est de celle-là, multi-bloc. Voilà, aucune idée. Bon, c'est notre ami Bubix qui se chargera de ça, parce que moi, c'est pas du tout. Ah, ça c'est pas mal, ça m'intéresse, ça. Ah, mais ça a l'air d'être cool! Ah bah, ça c'est un truc que je vais me faire. Bon, du coup, je pense que sur le prochain épisode. Ah, quoique, on peut peut-être aller faire un tour dans la Twilight. Enfin, pas la Twilight, mais l'âge. Alors, pour ça, il va falloir récupérer. J'ai dû mettre ça ici. On va en prendre un. Le bouquin. Et du coup, bah, on va aller faire un tour. Et puis, je sais pas si je vais rester longtemps. Parce que généralement il y a des aspects. Alors, bon, par contre, ça reste de portée, je vous préviens. Allez, on tente. Alors, déjà, j'apparais dans le noir, j'ai plus rien sur moi. Alors, j'espère que c'est un petit bug qui va être sous le temps que je suis chargé. Je tourne un peu dans le vide, je pense que ça va être ça. En tout cas, j'espère de. J'ai toujours peur de tomber sur un monde. Ah, time out. Rafraîchis. On retente de se connecter. C'est pas trop le drame. J'ai toujours peur, du coup, comme je disais, de tomber sur un monde où il n'y a que de la lave. Ah oui. Ah oui, poison. Ah la vache. Bon, on va pas rester. On va retourner dans le monde.